Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la nouvelle génération de Victor Reader Stream. Le Victor Reader Stream 2. Alors qu'est-ce que le Victor Reader Stream 2? Alors c'est un lecteur DAISY, d'accord, DAISY pour livres, ainsi qu'MP3. Et aujourd'hui, la très grande particularité que l'on a sur cet appareil, c'est que l'on a la possibilité de le connecter au Wi-Fi. Cette possibilité nous donne un gros avantage, c'est que on va pouvoir écouter les radios du monde entier à partir d'Internet. Ensuite, on va pouvoir aussi, via les textes qui évolueront dans l'appareil, pouvoir aller récupérer sur Wikipédia des définitions bien précises. Alors, aujourd'hui, là, comme il est disposé donc à côté de sa housse de protection de choc, d'accord, car le laisser tomber n'est pas une bonne affaire. Il faut absolument donc, pour mettre la housse, c'est une housse, comme vous le voyez, très flexible, une housse en caoutchouc, d'accord, avec l'intégralité des emplacements prévus pour les boutons. Donc, lorsqu'on a notre appareil, on va le glisser sur le côté et l'introduire dans sa housse, comme ceci. Donc, au point de vue du pavé numérique, on trouve, comme sur l'ancienne génération, un pavé numérique de la touche 1 à la touche jazz. Ici, je vais faire un gros plan. Je vais approcher la caméra pour que les gens puissent voir correctement l'intégralité des boutons. Alors, je suis vraiment en gros plan là actuellement. Pour les personnes malvoyantes, peuvent voir sur l'écran ce qui se passe au niveau des boutons, voire peut-être même les dessins. Les couleurs des boutons aussi. Voilà un petit peu le dessus de l'appareil, de son pavé numérique. Si je fais monter l'appareil sur le dessus, nous allons rencontrer donc là où on insère la carte SD. Donc tout simplement, on appuie sur la carte SD. Et ici, on va pouvoir tout simplement la retirer ou en insérer d'autres suivant le contenu. Donc l'appareil est livré avec une carte SD de 4 Go. On la remet ici et une prise micro. Sur le côté gauche de l'appareil, on va rencontrer donc ici, là aussi je mets très près pour que les personnes malvoyantes puissent voir, le bouton marche arrêt, flèche haut, flèche bas, pour diminuer le son, jouer sur le rythme de la lecture, ainsi que sur la tonalité de la synthèse vocale. La synthèse vocale, c'est a cappella, et sur la dernière mise à jour, on trouve la version de Manon, a cappella Manon, qui est une des meilleures synthèses vocales de chez a cappella. Sous l'appareil, ici, on va rencontrer la connectique. Donc sous l'appareil, c'est ici qu'on va brancher l'appareil sur son PC avec le câble fourni dans l'emballage ou avec la prise murale fournie aussi dans l'emballage pour recharger notre appareil. On va partir sur le côté droit de l'appareil et ici nous allons rencontrer le bouton enregistrement que je mets en très gros plan sur l'écran ainsi que la prise casque. Voilà pour la présentation de l'appareil, comme vous pouvez le voir, il est très joli, très design. On a vraiment quelque chose de très bien fait, avec des couleurs qui permettent aux personnes malvoyantes d'apercevoir les touches principales. Pour la mise en marche,
On appuie donc sur le bouton sur le côté gauche de l'appareil quelques secondes et nous allons entendre ce qui va se passer. Un petit bip. Bienvenue à Victor Reader. Voilà, il nous annonce bienvenue à Victor Reader. 30 RMC Info. Et à ce moment, on est positionné sur l'appareil. La touche de réglage essentielle pour... connecter au réseau Wi-Fi. Voilà, donc il vient de se connecter à mon réseau Wi-Fi. Mais le but de cette vidéo, c'est aussi de vous montrer comment se connecter au Wi-Fi. Donc la touche 7 permet de rentrer dans les différents réglages, dont le réglage Wi-Fi. Une des touches très importantes sur l'appareil se trouve tout en haut de l'appareil. En fait, ici, on va rencontrer une touche avec le sigle. On a donc un losange complètement à droite, une touche ronde au centre et un carré complètement à gauche. Donc ici, on va s'intéresser à cette touche ronde au centre qui, pour les malvoyants, j'espère que vous arrivez à le voir, comporte le sigle du Wi-Fi. Ça veut dire que si on fait un appui long sur cette touche, on va entendre... mode avion activé. Mode avion activé. Qu'est-ce que le mode avion? Donc, comme sous les smartphones aujourd'hui, le mode avion permet d'éteindre l'intégralité des statuts Wi-Fi, Bluetooth qu'on pourrait avoir sur nos téléphones. Sur l'appareil, il va nous couper le Wi-Fi. Ça veut dire qu'on n'aura aucune possibilité de se connecter au Wi-Fi. Donc, on va redébloquer l'appareil tout simplement en appuyant sur le bouton Wi-Fi. Mode avion, désactivé. On vient de désactiver le mode avion. Et normalement, le Wi-Fi va se remettre à fonctionner. Et à ce moment, on va pouvoir aller sur des radios. Le but de cette vidéo connecter au réseau Wi-Fi est de vous montrer comment on va se connecter au Wi-Fi. Donc ici, tout simplement, nous allons appuyer donc sur la touche 7 de l'appareil. Menu sans fil, mode avion, désactivé. Menu sans fil. Donc qu'est-ce que l'on va faire avec ce menu? Les touches directionnelles 2, 8, 4 et 6 permettent de se diriger dans l'appareil. C'est-à-dire qu'ici, on va en fait se diriger avec la touche 8. Donc on a notre 5 avec le petit point, les petits repères pour nous, qui ne voyons pas. Et avec la touche 8, on va entendre... importer une configuration de réseau à partir d'un fichier. Rechercher une connexion. Lancer une connexion. Créer une nouvelle connexion. Effacer une connexion. Valider une connexion. Mode avion. Désactiver. Importer une configuration de réseau à partir d'un fichier. Rechercher une connexion. Rechercher une connexion. Alors rechercher une connexion, on va valider ce choix via la touche dièse. Donc la touche dièse qui va se trouver complètement en bas du pavé numérique à droite. SSID, Link 394, DLINK-E majuscule. Donc, 3, il vient 9, de me trouver 4. Dans mon réseau un routeur qui va me permettre de me connecter. Donc, ici, pour revalider ce choix, je vais donc appuyer de nouveau sur dièse pour lui dire je veux me connecter à ce réseau. Et à ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Entrez le mot de passe. Entrez le mot de passe. Alors, ici, il faut faire très attention. Le mot de passe, on va le rentrer d'une certaine façon par rapport à l'appareil pour justement valider notre mot de passe. C'est un pavé numérique, comme on l'a dit, de type téléphone T9. De type téléphone T9, cela veut dire que la touche 2 va aussi comporter les lettres A, B, C. Et lorsqu'on tape en mode T9, on tape plusieurs fois sur la touche pour avoir la lettre désirée. Et au bout, pour la touche 2, dans tous les cas, à la quatrième
tapotement sur cette touche, on va avoir en fait le numéro 2, et ainsi de suite. Ça veut dire que lorsque je vais taper mes chiffres et lettres, je vais taper autant de fois sur la lettre, sur la touche, pardon, pour avoir la lettre ou le chiffre. Deux choses très importantes. On différencie la touche 7 comporte 4 lettres. C'est-à-dire, lorsqu'on voudra se positionner sur le chiffre 7, il faudra tapoter cette touche 5 fois. Pourquoi? Parce que la lettre 7 comporte PQRS. PQRS et la touche 9 comporte W, X, Y, Z. Donc, à ce moment, il va falloir taper autant de fois, donc 5 fois pour avoir la touche, le chiffre 9, ou 5 fois pour avoir la lettre ou le chiffre 7. Alors, à ce moment, quand je vais vouloir taper A, B, C ou D, E, F qui est sur la touche 3, je vais en fait taper 3 fois pour la touche, pour avoir la lettre C sur la touche 2. Exemple, ici, mon mot de passe est justement le 7. Pour avoir le chiffre 7 apparaître, je vais donc taper 5 fois sur la touche 7. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai bien eu mon 7. Mon mot de passe comporte la lettre A. Donc je vais taper une fois sur la touche 2. Je vais retaper une fois sur la touche 2, car mon troisième est la touche A. Ensuite, ça continue par 97. Donc, je vais aller sur ma touche 9, d'accord, ici, et 5 fois. 1, 2, la touche 7. Il me faut la lettre B. Donc deux fois sur la touche 2. Ensuite, je vais continuer mon mot de passe. Je vais baisser pour éviter que mon mot de passe soit entendu complètement. Pour terminer. Voilà, ici j'ai tapé l'intégralité de mon mot de passe. Ça va vouloir dire que lorsque je vais taper sur ma touche dièse, il devrait se connecter au réseau demandé. Donc là, à ce moment, on va voir ce qui va se passer. Connecté à Link 394. Voilà. DLINK-E majuscule 394. Entrez un nom pour ce réseau. Entrer un nom, j'en rentre pas. Connecté à Link 394. Et pour sortir DLINK-E majuscule de ma 394. configuration, j'appuie Veuillez sur la patienter. touche étoile. Quitte le menu. À ce moment, je vais pouvoir choisir si je veux écouter la radio. Je vais donc voir comment me promener dans les radios. Ici, si j'appuie sur la touche 1, Catalogue, radio Internet, 1, liste d'écoute, 1, liste d'écoute Monvar, Français Europe. je suis sur France et Europe. Je vais pouvoir choisir mes radios via la touche 7. Menu, sans fil, mode avion, général, annuler tous les téléchargements courants. J'appuie autant de fois sur la touche 7 pour entendre le choix désiré. Photo montrant le bouton du Wi-Fi. Comme on l'a dit, on va donc circuler avec la touche 7 pour vérifier. Menu, sans fil, mode avion, désactivé. Donc on appuie autant de fois sur la touche 7 jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'à radio. Général, radio Internet, liste d'écoute Monvar, Français Europe.
Radio Internet. Ce qui veut dire qu'avec la touche 4 et 6, je vais circuler dans les différentes radios existantes. Féroïen. Groenlandais. Féroïen. Groenlandais. Géorgien. Hongrois. Hébreu. International. Irlandais. Islandais. Italien. Kosovo. Italien. Islandais. Irlande. International. Hébreu. Hongrois. Géorgien. Groenlandais. Féroïen. Français Europe. Français Europe, ce qui nous convient parfaitement bien. Je vais valider avec le dièse qui est la touche complètement en bas à droite. Sélectionner. Sortir du menu avec la touche étoile pour revenir Quitte le menu. sur le menu principal. Je vais appuyer sur la touche 1. Catalogue. Radio Internet. 1. Liste d'écoute. 1. Liste d'écoute. Et je vais pouvoir en Français fait, Europe. par le biais de la touche lecture qui se trouve tout en bas, tout en bas, tout en bas de l'appareil, qui est une touche rectangulaire. Alors j'approche l'appareil de très 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 près pour les malvoyants. Et vous voyez une touche rectangulaire avec un logo lecture. À gauche et à droite, deux flèches pour avance et retour rapide. Juste au-dessus, on a une touche losange qui permet de connaître l'heure ou de programmer un arrêt de l'appareil. En appuyant donc sur cette touche lecture, on va Veuillez donc patienter. Ce patrimoine qui va des grottes de la lancer la radio. Jusqu'à la Comme vous l'entendez, la radio fonctionne. L'architecture du XXe siècle est de plus en plus protégée. Je parle pas de l'art nouveau ou de l'art déco. On va pouvoir avancer sur les radios avec le bouton 6. Et continuer à avancer dans les différentes radios. Une fois, je veux arrêter ma radio. Simplement, je rappuie sur mon bouton Play Pause et j'ai fini l'écoute de ma radio. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter au 01 43 62 14 62. Nous serons ravis de vous renseigner, de vous donner les astuces de ce petit appareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on vous dit à très bientôt. Générique de fin. Merci pour votre visite. À très bientôt au 01 43 62 14 62 et à très bientôt sur notre chaîne.